Salut et bienvenue dans cette vidéo. Alors maintenant, nous allons donc démarrer avec notre deuxième cours de Certified Ethical Hacker. Alors ce cours est un cours très spécial, ok? Alors ce cours, si vous le ratez, si vous le négligez, votre formation va prendre un coup. Pourquoi? Parce que ce cours est un cours en fait associé aux prérequis dont vous aurez besoin pour pouvoir... Alors là, ce sont des prérequis pratiques dont vous aurez besoin pour pouvoir donc appliquer les techniques de hacking que vous allez apprendre tout au long de cette formation. Et oui, ce cours est un cours très pratique, donc il n'est pas à négliger. Alors, vous voyez en fait, dans le cours précédent, le cours numéro 1, nous avons vu principalement les prérequis théoriques, c'est-à-dire les bases théoriques dont vous aurez besoin pour pouvoir comprendre les explications associées à cette formation. Mais là, nous sommes donc dans ce qu'on appelle, pas les bases, mais les prérequis pratiques, ok? Pratiques parce que ce sont des choses que vous devez savoir faire, vous devez savoir appliquer, vous devez comprendre pratiquement, ok, leur mise en œuvre, pour pouvoir donc également appliquer et pratiquer les techniques de hacking qu'on vous enseignera tout au long de cette formation. Alors, il s'agit donc principalement de quoi? Tout d'abord, il s'agit en fait ici de l'installation dans le laboratoire de hacking. Alors, l'installation dans le laboratoire de hacking englobe donc beaucoup de choses. C'est-à-dire, là, nous retrouvons donc les systèmes d'exploitation tels que Linux principalement. Et donc, lorsqu'on parle de Linux, on parle également de commandes Linux. Et si vous ne maîtrisez pas les commandes Linux, il vous sera impossible d'appliquer ce qu'on appelle le système hacking, c'est-à-dire le hacking des systèmes ou encore l'intrusion des systèmes informatiques et des serveurs. Donc, nous allons apprendre cela dans cette formation Certified Ethical Hacker version 9. Donc, si vous n'avez pas donc ce prérequis pratique, il vous sera impossible en fait de pratiquer hein, l'intrusion dans les machines à distance. Alors, bien évidemment, Linux ne fait pas que ça. Linux fait également énormément de choses dans le monde du hacking que nous allons découvrir hein, tout au long de cette formation. Donc, vous voyez donc que Linux est un outil indispensable pour le hacker. On le cite même hein, en le qualifiant du système du hacker. Okay? Généralement, lorsqu'on parle de Linux dans le monde du hacking, on dit de Linux qu'il est le système du hacker. Donc, ce qui veut dire que Linux, c'est un peu comme votre esprit entre guillemets en tant que hacker. Donc vous devez l'avoir en vous de manière pratique. Donc c'est pourquoi nous allons donc commencer par ce qu'on appelle l'installation d'un hacking lab, c'est-à-dire l'installation d'un laboratoire de hacking. Maintenant, voyons donc voir les prérequis hein, ou encore pardon, les objectifs hein, que nous allons donc que nous devons atteindre et que nous allons atteindre à la fin de ce deuxième cours. Alors, voici donc les objectifs hein, du cours hein, numéro 2, c'est-à-dire l'installation d'un hacking lab. Alors, je précise ici en fait que hacking lab veut dire en français laboratoire de hacking. Ok, donc lab c'est le diminutif de laboratory qui signifie laboratoire en français. Donc hacking lab, laboratoire de hacking. Alors de manière plus technique, hacking lab veut dire laboratoire d'audit d'intrusion. En anglais, ça se dit laboratoire de pen testing ou encore laboratoire de penetration testing, qu'on peut dire laboratoire de test d'intrusion. Donc, c'est dans ce laboratoire que vous allez développer votre potentiel de hacker. C'est dans ce laboratoire que vous allez appliquer vos techniques de hacker. C'est dans ce laboratoire que vous allez effectuer vos découvertes. Donc, bref, il n'y a aucun hacker professionnel qui fonctionne sans laboratoire. Donc, le laboratoire est un outil indispensable pour le hacker. Moi-même, je fonctionne toujours en fait jusqu'à aujourd'hui avec un laboratoire sans lequel je ne peux vraiment pas développer mon potentiel, sans lequel je ne peux pas effectuer mes recherches, sans lequel je ne peux pas effectuer mes découvertes. Donc, le laboratoire est un outil indispensable pour le hacker. Alors, malheureusement, dans le cours officiel du CEH, on suppose déjà que vous connaissez déjà la visualisation, l'installation des laboratoires. On suppose déjà que votre école vous a enseigné cela. Mais comme nous sommes en Afrique, hein, je sais très bien que les écoles n'enseignent pas très bien hein, l'installation des laboratoires et même que n'enseignent même pas du tout l'installation des laboratoires du hacking, puisque les écoles en général n'enseignent pas le hacking. Donc ici, de manière exceptionnelle, je vais donc vous introduire également dans ce prérequis
pratique-là dont vous aurez donc besoin pour pouvoir donc maîtriser hein, ce cours. Alors, comme vous pouvez donc le voir dans ce cours, nous allons donc voir comment créer un laboratoire et déployer Backbox ou Kali Linux et ainsi que exécuter des tests de pénétration professionnelle en utilisant la technologie de virtualisation. Alors, donc, les objectifs hein, que nous aurons donc à atteindre donc pendant ce cours, c'est 1. Comprendre la virtualisation. Donc, c'est un objectif que vous allez atteindre. Vous serez donc à mesure de comprendre la virtualisation. Beaucoup de personnes font souvent l'amalgame entre la virtualisation et ce qu'on appelle la simulation. Okay? Par exemple, dans la certification Cisco, on ne fait pas de virtualisation. On fait ce qu'on appelle de la simulation. Okay? Mais dans le cours du certificat d'Ethical Hacker, comme tout ce que nous faisons est réel et non simulé, en ce moment, on fait ce qu'on appelle de la virtualisation. On en reparlera tout à l'heure. Alors, vous avez également donc vous allez également comprendre l'importance de Linux dans le hacking. Donc, c'est très important, Linux. Je vous ai dit tout à l'heure, en fait, que le système Linux est appelé le système du hacker. Donc, sans le système Linux, vous ne pouvez pas vous qualifier, hein, c'est-à-dire, vous ne pouvez même pas dire qu'en fait, vous faites du hacking, parce que personne aujourd'hui ne peut prétendre faire du hacking professionnel hein, sans passer par le système Linux. Donc, c'est un outil indispensable, ok? Alors, vous allez également savoir comment installer un laboratoire, bien évidemment, de pen testing ou encore un laboratoire d'audit d'intrusion, tel que nous l'avons dit tout à l'heure. Et puis, vous allez également savoir, en fait, installer ce qu'on appelle un système Linux dans un laboratoire de pentest. Donc, nous allons voir l'installation du système d'exploitation Linux dans un laboratoire de pentesting. Puis maintenant, on va donc nous introduire en fait dans une deuxième partie de ce cours sur les commandes hein, Linux. Donc, vous devez être capable en fait de pouvoir manipuler Linux comme vous manipulez Windows. Donc, nous allons donc voir également donc les commandes associées donc au système d'exploitation Linux. Comme je vous l'ai dit, ceci est un cours très pratique. Donc, c'est pourquoi dans ce cours, nous allons donc effectuer 80% de pratique et 20% de théorie. Et donc, à partir de maintenant, je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo de cette formation où nous allons donc conclure notre théorie et commencer la pratique. Merci. Salut et bienvenue dans cette vidéo. Alors, je vais mettre une petite parenthèse hein, avant de continuer avec le cours. J'aimerais qu'on parle en fait des actions humanitaires hein, pour les nouveaux, c'est-à-dire pour ceux-là qui viennent d'intégrer Emantic. Alors, ça c'est une petite vidéo hein, de 2 minutes hein, au maximum. Alors, en fait, vous voyez, en fait, dans le souci de répondre en tant qu'association et dans le souci en fait de nous faire valoir au niveau du gouvernement comme étant association et non une entreprise qui justifie en fait les formations gratuites que nous offrons aux membres. Donc, on est obligé en fait de réaliser des actions humanitaires. Donc, on est obligé par exemple dans notre cas, de construire des salles informatiques hein, pour voilà, les orphelinats et autres sponsoriser des professeurs qui vont venir leur enseigner de la formation informatique pour leur permettre également d'avoir une issue hein, professionnelle dans le monde de l'emploi. Donc, dans le cadre, en fait, ou encore dans le but de faire tout cela, c'est-à-dire tel que renseigné, bien évidemment, dans la fiche de renseignement hein, à votre inscription. Donc, chaque membre est obligatoire de participer aux actions humanitaires. Alors, ça se fait chaque 5 du mois. OK? Ça se fait chaque 5 du mois. Si vous ne participez pas, vous serez donc pénalisé. Donc, la pénalité, ça peut être quoi? Non seulement les cours, hein, c'est-à-dire vous pouvez perdre vos cours, votre statut de membre également, vous pouvez le perdre. Et également, on peut vous imputer en fait des pénalités financières à payer, par exemple, 50% hein, si vous n'avez pas réglé en fait votre action humanitaire. À temps, quoi. Donc, voilà en fait en ce qui concerne les actions humanitaires. Chacun est concerné par cela. Donc, c'est obligatoire pour tout le monde. Jusqu'au président que je suis, c'est obligatoire. Parce que sans cela, on ne pourra plus se présenter en tant qu'association devant n'importe quel gouvernement. Et on devra être obligé de fermer. Donc, heureusement, tous les membres des Mantiques jusqu'à aujourd'hui participent et cotisent aux actions humanitaires. Donc, si vous êtes nouveau, sachez que les actions humanitaires se font chaque 5 du mois.
mois. Et la prochaine action humanitaire se fera, comment dirais-je, hein, le 5 du prochain mois. Donc voilà, c'était juste une information que je voulais donner avant qu'on continue, avant qu'on ne puisse continuer avec le cours. Maintenant, pour finir, lorsque vous voulez donc participer à ces actions humanitaires, telles que renseignées dans la fiche de renseignement, qui est de 15 euros minimum pour chacun, et bien évidemment, vous pouvez donc contribuer hein, plus que cela, c'est-à-dire si quelqu'un veut participer, par exemple, le mois à 30 000 francs ou à 40 000 ou à 50 000, c'est lui qui décide en fait de ce qu'il veut en fait. Avoir comme participation, comme participation, mais le minimum étant de 15 euros, donc ce qui veut dire 10 000 francs. Et maintenant, bien évidemment, lorsque vous voulez donc payer cela, donc comme le gouvernement doit être au courant des participations que tous les membres de notre association font, donc c'est pourquoi ça doit être réalisé directement sur le compte bancaire de l'association. Donc comment le faire? Si vous êtes au Cameroun, par exemple, vous pouvez directement aller à la Banque Atlantique du Cameroun et effectuer le dépôt, sur le compte de l'association. Alors, si vous êtes ailleurs, c'est-à-dire hors du Cameroun, par exemple en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Burkina, au Bénin, au Togo, etc., donc vous pouvez tout simplement vous rendre à l'opérateur RIA, pour comment dirais-je, hein, pour déposer ou encore pour faire votre dépôt. En fait, lorsque vous vous rendez à l'opérateur RIA, vous dites tout simplement que vous voulez faire un envoi d'argent vers un compte bancaire qui se trouve dans la Banque Atlantique du Cameroun. On va tout simplement vous demander les coordonnées du compte bancaire et là, vous allez donc présenter les coordonnées qui sont donc affichées à l'écran. Alors, une fois le versement effectué, on va vous donner un reçu. Ce reçu-là, vous le scannez et vous envoyez tout simplement à la présidence comme d'habitude. Donc, vous envoyez ça à présidence@emantic.net. Donc, voilà, c'était juste une parenthèse par rapport aux actions humanitaires. Alors, sans toutefois tarder, voyons donc continuer donc avec notre cours hein, de Certified Digital Hacker version 9, le cours numéro 2. Donc, merci et rendez-vous dans le prochain cours de cette formation. Merci. Salut et bienvenue dans cette vidéo. Alors, maintenant, nous allons donc parler de la virtualisation, car nous nous apprêtons maintenant à installer notre laboratoire de pentest ou encore laboratoire de hacking. Alors, bien évidemment, on ne peut pas donc parler de laboratoire ou encore d'installation dans laboratoire de hacking sans parler de la virtualisation et de ce qu'on appelle les hyperviseurs. Nous sommes dans un monde professionnel maintenant. Il faut apprendre les termes professionnels. Alors, sans doute, beaucoup d'entre vous sont déjà tombés sur les hyperviseurs, mais c'est sûrement votre première fois pour beaucoup d'entendre le mot hyperviseur. C'était également le cas pour moi avant de rencontrer les formations professionnelles qui parlaient de hacking. Donc avant, j'ai employé également des termes qu'on employait généralement entre étudiants et vous allez donc également rencontrer cela tout à l'heure. Mais ce que vous devez savoir pour l'instant, c'est qu'on ne peut pas parler de virtualisation. Pardon, on ne peut pas parler d'installation de laboratoire de hacking sans parler de virtualisation ni d'hyperviseur. Voyons donc voir tout d'abord ce que c'est qu'un hyperviseur et avant ce que c'est que la virtualisation. Alors, c'est quoi la virtualisation? La virtualisation, c'est tout simplement le fait d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitation sur une même machine physique. Alors, vous savez, en fait, la plupart des personnes savent qu'ils ne peuvent pas installer plusieurs systèmes d'exploitation et les exécuter en même temps sur une même machine, sur une même machine réelle. Donc, vous ne pouvez pas prendre une machine réelle, n'est-ce pas, et vous voulez faire fonctionner, disons, Windows, Linux, Mac, par exemple, au même moment, sur le même ordinateur. Non. Au plus, vous pouvez installer, quelques systèmes d'exploitation sur un même ordinateur, mais ils ne peuvent jamais être exécutés au même moment. C'est-à-dire, sur un même ordinateur physique, vous ne pouvez pas installer Linux et Windows et les exécuter au même moment. Alors, pour faire cela, vous serez obligé, en fait, de prendre une seconde machine, n'est-ce pas, si vous voulez les faire exécuter au même moment. Donc, la virtualisation donc nous permet de pouvoir atteindre cet objectif-là. C'est-à-dire, à partir d'une seule machine, à partir d'une même machine physique, on est capable d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitation au même moment. Ça, c'est la virtualisation. OK? Donc, maintenant, quel est l'outil qui nous permet donc de pouvoir installer ces plusieurs systèmes d'exploitation sur une seule machine physique? Cet outil-là, on l'appelle l'hyperviseur.
Donc l'hyperviseur, c'est l'outil à travers lequel on installe des systèmes d'exploitation, plusieurs systèmes d'exploitation sur une même machine physique. Okay? C'est l'hyperviseur qui nous permet donc de faire cela. Donc, les deux définitions vous êtes données. Puis maintenant, vous avez donc quelques exemples d'hyperviseurs que vous connaissez sans doute. Donc, vous avez l'exemple, par exemple, l'exemple les plus connus, c'est-à-dire VirtualBox, Hyper-V. Vous avez également VMware, qui est l'un des systèmes également les plus utilisés en ce moment. Alors, donc, ceux-là, on les appelle des hyperviseurs. OK? Donc, on les appelle des hyperviseurs. Alors, donc voilà, donc pour résumer, donc on dira donc que la virtualisation, c'est un concept hein, selon lequel plusieurs systèmes d'exploitation sont exécutés sur une même machine physique. Donc, c'est ce qu'on appelle la virtualisation, le fait d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitation sur une machine physique en même temps. Donc, ou encore, si vous pouvez, si vous le voulez, c'est-à-dire de manière plus technique, vous pouvez dire la virtualisation consiste à faire fonctionner un ou plusieurs systèmes d'exploitation sur un seul système hôte, ou encore sur une seule machine, ou encore sur un seul ordinateur. Donc, je préfère en fait, pour que ça soit plus simple pour vous, utiliser le terme pour sur un seul ordinateur. Donc, le fait d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitation, OK, en même temps sur un seul ordinateur. Ça, c'est la virtualisation. Alors, donc, voilà donc en ce qui concerne donc la virtualisation et l'hyperviseur. Alors, maintenant, chacun sait ce que c'est que, chacun comprend maintenant ce que c'est que la virtualisation et chacun sait maintenant et comprend ce que c'est qu'un hyperviseur, OK? C'est-à-dire l'outil qu'on utilise en fait pour pouvoir installer donc ces systèmes d'exploitation sur une seule machine. Alors, donc, en espérant que comment dirais-je, ces explications ont été donc satisfaisantes pour chacun d'entre vous, à partir de maintenant, chers amis, je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo, où nous allons donc démarrer la pratique de l'installation d'un laboratoire de hacking. Merci. Salut et bienvenue dans cette vidéo. Alors maintenant, nous allons donc procéder hein, aux étapes d'installation d'un laboratoire de hacking, encore appelé en anglais le hacking lab. Alors à partir de maintenant, nous entrons donc dans une pure pratique, hein, c'est-à-dire nous allons voir comment se fait l'installation d'un laboratoire de pentest. Alors, voici donc les trois grandes phases à parcourir lorsqu'on veut installer un laboratoire de hacking. La première étape est de choisir son hyperviseur. Donc, vous allez tout d'abord choisir votre hyperviseur. La deuxième étape consiste à installer votre laboratoire à partir hein, de l'hyperviseur. C'est-à-dire là maintenant, la deuxième étape consiste à installer un hyperviseur, c'est-à-dire l'installation de l'hyperviseur. Alors, dans la deuxième étape, à partir de l'hyperviseur que vous aviez donc choisi à la première étape, vous allez donc procéder à son installation. Et ça, nous le verrons donc tout à l'heure, tout de suite même. Alors, après cela, donc, il vous faudra donc installer un système d'exploitation, au moins, hein, sur votre hyperviseur. Alors, le système d'exploitation, en fait, que vous allez donc installer ici, c'est le système d'exploitation du hacker. C'est le premier système d'exploitation à installer dans votre laboratoire de hacking. Alors, donc, voilà les trois, hein, les trois grandes phases par lesquelles nous allons donc passer pour pouvoir donc installer notre laboratoire de Pentest Pro. Alors, sans toutefois tarder, je vais donc tout d'abord vous montrer à quoi ressemble un laboratoire, ok, déjà installé, hein, fonctionnel et tout. Alors, donc, voici donc un exemple de laboratoire. Donc, je vais donc aller sur VMware. Alors, donc, voici VMware, ok. VMware est un hyperviseur. Donc, vous pouvez donc lire ici, VMware Workstation. Alors, donc, ici, c'est un hyperviseur hein, nous permettant, comme la définition nous l'a donc apprise, de pouvoir installer plusieurs systèmes d'exploitation, ok. Alors, bien évidemment, les systèmes d'exploitation que nous installons ici, ce ne sont pas des systèmes
systèmes d'exploitation, disons, simulés ou encore des systèmes d'exploitation, voilà, non réels. En fait, ce sont les mêmes systèmes d'exploitation que vous installez chaque jour sur vos machines physiques. OK? Ce sont les mêmes systèmes d'exploitation qu'on a installés sur chacune de ces machines qu'on appelle des machines virtuelles. Donc, voici quelques machines virtuelles que j'ai dans mon laboratoire. OK? J'ai donc ici quelques victimes, quelques systèmes qui jouent le rôle de victimes et bien d'autres encore. J'ai le système Kali Linux installé, j'ai le système Linux Backbox, ok, et plein d'autres choses encore. Alors, je vais par exemple aller sur le système Windows 7, ok, allons par exemple sur le système Windows 7. Quand je vais aller donc sur ce système, vous voyez en fait, j'ai un écran ici, c'est l'écran qui représente l'écran de mon ordinateur virtuel. Alors, si je veux donc allumer mon ordinateur virtuel, duquel j'ai donc installé en fait mon système d'exploitation Windows 7. En ce moment, pour l'allumer, je vais donc cliquer sur Power on this virtual machine. Donc, je clique dessus et là, l'ordinateur s'allume. Ok, donc tout cela, nous allons voir ça en fait tout à l'heure. Donc l'ordinateur s'allume, comme j'avais éteint brusquement mon ordinateur virtuel, donc on me demande de le redémarrer normalement. Je vais donc appuyer sur la touche Entrée. Donc voilà, vous voyez en fait que sur ma machine, hein, voici ma machine physique ici. Je peux aller sur le menu Démarrer, le pause de travail, voilà, ça c'est ma machine physique. Sur ma machine physique, ok, je viens d'allumer un autre système d'exploitation à partir d'un logiciel qu'on appelle l'hyperviseur. Donc voilà mon laboratoire. Donc vous voyez en fait, j'ai énormément de systèmes d'exploitation dans mon laboratoire. Ça c'est le système Windows 7. Je pouvais installer le système Windows 8 par exemple. Je pouvais installer, voilà Windows 8 qui est installé. Windows 10 installé, voilà, j'ai donc Linux et plein d'autres choses encore. Donc je peux installer même Mac si je veux. En fait, là c'est mon laboratoire. Vous voyez en fait à quel point c'est efficace. Ok, ça me permet de ne pas aller acheter plusieurs ordinateurs, ok, pour faire mes attaques de hacking, ok, pour faire mes expériences. Donc à partir de mon seul ordinateur, je peux donc mener actuellement mes expériences, n'est-ce pas? Donc voilà donc ce qu'on appelle un laboratoire de Pentest Pro, ok, ou encore un laboratoire de hacking. Ok, donc je vais donc faire un plein écran sur mon laboratoire. Alors donc vous voyez en fait ici, je suis dans mon ordinateur, ok, mon deuxième ordinateur que je viens d'allumer, ok. Donc comme vous pouvez le constater, voilà donc ce deuxième ordinateur, donc je l'ai mis en plein écran. Vous voyez maintenant, il se présente exactement comme un ordinateur réel, ok. Donc le système d'exploitation qui est installé dessus, c'est un système réel, ok. Donc c'est un système que vous avez tous les jours, ok. Vous voyez, je peux créer des dossiers, je peux faire ce que je veux. Donc voilà l'exemple, voici un exemple de laboratoire de hacking. Ok, je peux allumer Linux maintenant et effectuer mes attaques sans problème. Ok, et là je suis sur la même machine physique. Donc voilà donc à quoi ressemble un hyperviseur. Voilà à quoi ressemble un laboratoire. Donc voilà pour Linux. Je peux également power on Linux et là je redémarre également donc mon système Linux. Donc comme vous pouvez le constater, je peux donc redémarrer autant de systèmes d'exploitation que je veux et que ma machine, mes ressources peuvent supporter. Donc voilà en fait en ce qui concerne un laboratoire de hacking. Alors comment est-ce qu'il est créé? Comment est-ce qu'il est monté? Comme je vous l'ai dit, la première des choses, c'est de choisir son hyperviseur. Alors, nous allons dans notre formation, ok, choisir VMware et VirtualBox, ok. Donc, vous pouvez utiliser l'un des deux. Soit vous téléchargez et vous installez VMware, ok. Soit vous téléchargez et vous installez VirtualBox, n'est-ce pas? Donc, voilà en ce qui concerne donc un exemple dans le laboratoire de Pentest Pro. Maintenant, voyons donc voir en pratique comment ça se fait pour installer ce type de laboratoire. Cela sera effectué dans la prochaine vidéo de cette formation. Merci. Salut et bienvenue dans cette vidéo. Alors maintenant, nous allons donc procéder à l'installation de notre laboratoire de hacking. Alors bien évidemment, l'hyperviseur que nous allons donc utiliser pour cette installation, c'est l'hyperviseur VMware. Alors j'ai dit dans la vidéo précédente que vous pouvez utiliser également donc VirtualBox, ça dépend donc de vos choix, de vos goûts. Donc pour cette vidéo, pour cet exemple, nous allons donc utiliser VMware. Alors j'utilise VMware particulièrement parce que c'est un hyperviseur
qui me permet beaucoup plus de mieux gérer en fait les ressources de ma machine. Donc c'est un hyperviseur, hein, si vous le voulez, qui me permet de ne pas ramer ma machine, ok? Qui permet à ce que ma machine ne soit pas lente, si vous le voulez. Donc VirtualBox pour certaines machines ralentit hein, souvent certaines machines, mais il a aussi ses avantages hein, VirtualBox. Alors ses avantages, c'est par exemple le fait que il gère mieux le Wi-Fi par rapport à VMware, ok? Et bon, donc chacun a sa particularité, mais au fond ils font tous exactement le même travail, c'est-à-dire ils virtualisent en fait les systèmes d'exploitation. Alors donc, comment installer donc VMware que nous avons donc vu dans la vidéo précédente? Pour faire cela, vous téléchargez VMware. Bien évidemment, donc, je peux vous apporter le lien de VMware. Si vous n'arrivez pas à le télécharger sur Internet, je peux vous envoyer un lien direct. Hein, ça dépend de vous. Vous me contactez hein, par les moyens que vous avez, hein, qu'on vous a donné en fait lors de votre inscription. Donc, vous nous contactez et on vous envoie directement le lien de VMware si vous n'arrivez pas à le télécharger sur Internet. Sinon, sur Internet, hein, vous pouvez tout simplement taper « Télécharger VMware » et vous allez voir une panoplie de résultats hein, qui vous offre en fait VMware. Alors, une fois le téléchargement terminé, vous exécutez donc le setup, c'est-à-dire l'exécutable. Alors, une fois que vous double-cliquez sur cet exécutable-là, alors pourquoi est-ce que ce tutoriel est fait de cette manière? Tout simplement parce que j'ai déjà installé VMware sur ma machine. Donc, je ne peux plus l'installer en vidéo, sinon ça va perturber en fait la configuration de mon laboratoire. Donc j'ai préféré en fait vous concocter en fait ce beau tutoriel hein, pour que vous puissiez également suivre tout simple. C'est très simple. L'installation de VMware se fait comme l'installation de n'importe quelle application Windows. Ok? Donc c'est comme si vous installez un petit logiciel hein, de je sais pas quoi, un petit utilitaire sur votre machine. Donc il n'y a rien de compliqué, il n'y a aucune configuration. Voilà, complexe à faire pendant l'installation. Donc, et vous allez voir, mais tout compte fait, ok, je vais vous suivre en fait pendant cette installation pas à pas, ok. Donc allons-y. Première des choses, on double-clique en fait sur le setup qu'on a téléchargé. Lorsqu'on double-clique, on verra donc apparaître cet écran. Ok, alors cet écran, c'est l'écran d'accueil hein, de l'installation de VMware. Ok, donc à partir d'ici, vous allez tout simplement cliquer sur Next. Alors, lorsque vous allez donc cliquer sur Next, vous allez donc voir apparaître cet écran. Ok, alors cet écran, en fait, c'est l'écran qui vous permet de choisir le type d'installation que vous voulez effectuer. Alors, bien évidemment, vous allez donc choisir un typical. Ok, donc on suppose en fait ici que voilà, chacun veut installer en fait de manière complète en fait VMware sur sa machine. Donc, vous allez donc cliquer sur typical. Alors, lorsque vous cliquez sur typical, ok, après cela, donc vous allez donc cliquer sur Next et vous allez voir apparaître en fait cet écran. Ok, alors sur cet écran, en fait, cochez cette case hein, si vous souhaitez que VMware vérifie les mises à jour en fait disponibles afin de vous avertir si votre produit devient obsolète. Donc c'est là où vous cochez en fait les cases. Mais si vous ne voulez pas être averti des mises à jour, vous ne cochez pas cette case par exemple, c'est-à-dire la case Check for Updates. Ok, mais ici en fait, ces cases hein, dont je devais tout d'abord commencer par vous parler, ce sont les cases en fait des additifs en fait de VMware. Par exemple, lorsqu'il y a des petites erreurs, si vous voulez par exemple que les erreurs soient signalées par les plugins Visual Studio ou Java, etc., etc., en ce moment vous pouvez donc intégrer cela, mais vraiment c'est pas très utile et c'est pas obligatoire. Donc ça, vous pouvez donc laisser cela, il n'y a pas de souci. Et vous cliquez sur Next. Lorsque vous cliquez sur Next de cette fenêtre, vous voyez donc apparaître cette fenêtre. Alors ici, vous cochez tout simplement cette case hein, si vous voulez en fait que les mises à jour en fait vous soient comment dirais-je hein, informées. Ok, donc là vous cliquez donc sur Check for Updates. Donc ça, c'est pas aussi obligatoire, mais c'est uniquement si vous voulez être renseigné des mises à jour de VMware. Alors une fois avoir donc checké ici ou pas, donc vous pouvez donc cliquer donc sur Next. Après avoir donc fait Next, il y a donc ici, voilà, Help Improve VMware. Alors ça, c'est une case qui n'est vraiment pas très utile. Mais en fait, ici, ça signifie quoi? Ça signifie que vous pouvez aider VMware à améliorer en fait son système. Ça veut dire que si vous rencontrez des petites erreurs, voilà, vous les envoyez ces erreurs-là par email pour leur dire par exemple, voilà, l'erreur qu'a causé VMware, il faut améliorer cela. Donc, si vous voulez faire ça, en ce moment, vous cochez ici. Mais bon, voilà, ça dépendra de vous. Une fois cela effectué, vous cliquez donc sur Next également.
Alors, une fois cela effectué, vous allez donc également donc voir cette fenêtre apparaître. Alors ici, desktop, c'est pour une icône sur le bureau. Ici, Start Menu, c'est pour avoir une icône sur le menu démarrer. Et Quick Launch, c'est pour avoir une icône de lancement rapide. Okay? Donc, vous cochez cela si vous voulez avoir donc ces différentes composantes-là. Alors, une fois cela effectué, vous cliquez sur Next. Alors, lorsque vous cliquez donc sur Next, on vous demande donc de cliquer sur Continue. Vous cliquez sur Continue. Okay? Et ici, vous verrez donc apparaître cet écran. Alors, cet écran vous demande donc d'entrer la clé d'activation de Workstation. Mais c'est optionnel, c'est-à-dire ce n'est pas obligatoire. Okay? Donc, vous pouvez donc l'entrer après, c'est-à-dire donc plus tard. Donc, ce n'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas une clé d'activation, vous le laissez ici vide et vous cliquez tout simplement sur Entrée. Et voilà, l'installation de VMware a donc déjà été faite. Alors, une fois l'installation terminée, lorsque vous allez donc l'installation qui est déjà terminée, on va vous demander de redémarrer votre ordinateur. Oui, vous devez redémarrer votre ordinateur pour que, comment dirais-je, pour que toutes les modifications puissent être prises en compte par le système. Hein, sinon, ça ne marche pas correctement. Sinon, vous aurez énormément d'erreurs. Donc, vous devrez donc redémarrer l'ordinateur pour que fonctionne à merveille VMware sans erreur pendant vos attaques. Donc, voilà en ce qui concerne donc l'installation de l'hyperviseur. Donc, voilà comment installer l'hyperviseur. Et une fois le redémarrage de votre machine effectué, vous pourrez donc exécuter donc VMware sur votre sur l'icône que vous avez créée sur le bureau et vous verrez donc apparaître un écran comme celui-ci. Et là, vous vous souvenez déjà de quoi on parle lorsqu'on voit donc ce type d'écran. On l'a déjà vu dans la vidéo précédente. Voici donc à quoi ressemble VMware Workstation que vous allez donc installer. Alors vous pouvez donc avoir des versions différentes. Hein. Dans cette vidéo, par exemple, j'utilise la version 12. Vous pouvez utiliser une version, par exemple, inférieure à la version 12 ou encore supérieure à la version 12. Donc ça dépendra de la version que vous allez télécharger. Sinon, ces versions-là font exactement la même chose au niveau fonctionnel de base. Donc voilà en fait en ce qui concerne donc l'installation de l'hyperviseur et c'est ce qui va représenter en fait notre laboratoire de hacking. Donc maintenant, voyons donc voir comment installer une machine virtuelle dans notre laboratoire. Parce que notre laboratoire est un composant d'ensemble de machines virtuelles, ok? Un ensemble de machines virtuelles sur lesquelles sont installés des systèmes d'exploitation réels. Et ces systèmes d'exploitation réels peuvent être exécutés au même moment, tels que nous avons par exemple Windows 7 qui est exécuté ici et Linux qui sont exécutés au même moment sur mon même ordinateur physique. Donc, voyons donc voir comment installer ces ordinateurs virtuels. Cela sera donc effectué à partir de la prochaine vidéo de cette formation. Merci. Salut et bienvenue dans cette vidéo. Alors maintenant, nous allons donc voir comment créer une machine virtuelle dans notre laboratoire de hacking. Alors, lorsque vous exécutez VMware, donc vous avez par exemple cette interface hein, qui s'affiche devant vous. Donc, cette interface principalement est sous l'onglet Home. Donc, cette interface héberge en fait quatre boutons, ok? Et celui en fait qui nous intéresse dans VMware, notre hyperviseur, c'est le bouton Create a New Virtual Machine, qui veut dire en français créer une nouvelle machine virtuelle. Alors, bien évidemment, vous avez d'autres boutons hein, qui sont associés à d'autres fonctionnalités, tels que le bouton Open a Virtual Machine qui permet d'ouvrir une machine virtuelle existante et déjà installée. Vous avez également le bouton Connect to a Remote Server qui permet en fait à une machine déjà installée de se connecter à un serveur distant. Vous avez également le bouton Connect to VMware vCloud Air. Donc, qui veut dire en français, en fait, connectez-vous au nuage virtuel de VMware. Alors, le bouton qui nous intéresse ici, c'est le bouton Create a New Virtual Machine, parce que nous voulons créer une nouvelle machine virtuelle. Donc, je vais donc cliquer sur celui-là. Une fois avoir donc cliqué sur ce bouton, nous avons donc cette interface hein, qui nous propose deux options d'installation. Donc, soit l'installation typique ou encore l'installation personnalisée. Alors, ici, je vais donc choisir en fait Typical, qui est une installation recommandée pour l'installation typique, et je vais faire donc Next. Alors, une fois cela effectué, je vais donc cliquer sur Install Disk ou encore Install Disk Image File en fonction de là où se trouve mon système d'exploitation. Je vous explique.
Ça, c'est la fenêtre en fait nous permettant de pouvoir choisir la source de notre système d'exploitation que nous nous apprêtons à installer sur notre machine virtuelle. Bien que nous sommes en train de créer une machine virtuelle, un ordinateur virtuel, on va installer sur cet ordinateur un système d'exploitation réel. Parce que les attaques que nous allons faire seront basées sur des systèmes d'exploitation réels, n'est-ce pas? Donc pour cela, VMware me demande maintenant où se trouve mon ou encore où est-ce que je vais prendre mon système d'exploitation? Ou encore à partir d'où mon système d'exploitation sera installé. Est-ce que cela sera installé à partir d'un CD que j'ai introduit dans l'un de mes lecteurs DVD? Ok. Pour cela, je vais donc cliquer sur Installer et choisir en fait le lecteur DVD ou CD dans lequel j'ai inséré donc le CD d'installation. Alors, ou alors, est-ce que c'est à partir d'un fichier, ce qu'on appelle un fichier ISO? Le fichier ISO, c'est le fichier que vous avez donc téléchargé directement sur le site du système d'exploitation à installer. Dans notre exemple, nous allons installer en fait le système d'exploitation du hacker. Donc, nous allons installer dans notre exemple Linux Backbox. Nous aurons à utiliser en fait deux systèmes Linux pour le hacking tout au long de notre formation, dont Backbox et Kali Linux. Alors, comme j'ai directement téléchargé Backbox depuis son site internet www.backbox.org, je l'ai donc sauvegardé sur mon ordinateur. Donc, j'ai sauvegardé Backbox sur mon ordinateur. Il est venu avec une extension .iso. Ok, donc pour cela, je vais donc cliquer en fait sur cette option Installer Disk Image File ISO. Donc, je vais cocher en fait cette option et puis je vais donc cliquer sur Browse. Browse veut dire en anglais, ça veut dire en français en fait parcourir. Alors, parcourir en fait me permet de parcourir dans mon ordinateur hein, et de rechercher là où se trouve le fichier Backbox que j'ai téléchargé directement sur le site de backbox.org. Le voici. Alors, bien évidemment, il existe en fait des versions plus récentes en fait que le Backbox, comment dirais-je, le 2.0 que j'ai actuellement. Donc, actuellement, c'est la version Backbox 2 que nous allons installer pour notre exemple. Bien évidemment, sur les sites de Backbox, vous avez des versions plus avancées que cela. Ok? Donc, ça, c'est juste en fait pour l'exemple. Alors, je choisis donc ici mon système d'exploitation Backbox. Ok? Je fais donc ouvrir. Alors, une fois que je vais donc ouvrir, en ce moment, je vais donc cliquer sur « Next ». Alors, une fois cela effectué, je vais donc, comme je m'apprête à installer Linux sur mon ordinateur en cours de création, je coche « Linux » et je viens donc dans la version et je coche « Ubuntu ». Je choisis « Ubuntu ». Alors, vous allez me demander, la version c'est Backbox, mais pourquoi je choisis Ubuntu? Alors, premièrement, Backbox, comment dirais-je, n'est pas listé en fait par VMware parmi les versions de système d'exploitation. Pourquoi? Parce que VMware caractérise une version du système d'exploitation en fonction de son noyau. Le noyau, si vous le voulez, c'est-à-dire pour l'instant, vous pouvez tout simplement comprendre le noyau d'un système d'exploitation comme étant le cœur de ce système d'exploitation. Donc, s'il y a deux systèmes d'exploitation qui ont les mêmes cœurs, alors on prendra en fait le cœur source. Ce que je veux dire, c'est quoi? Vous voyez, Ubuntu a été utilisé pour créer Backbox. Donc, ce qui veut dire quoi? Backbox Linux est basé sous le noyau Ubuntu. Du coup, si on veut déterminer la version du noyau de Backbox, on va choisir Ubuntu. Donc, c'est pourquoi on choisit Ubuntu. Alors, une fois cela effectué, on va donc cliquer sur « Next ». Alors, une fois avoir cliqué sur « Next », on me demande le nom de mon ordinateur. Alors, comme nom, je vais donc mettre « Hacker Backbox Linux ». Donc, voilà le nom de mon ordinateur virtuel. Alors, après cela, je vais donc cliquer sur « Next ». Alors, une fois cela effectué, on me demande la taille du disque dur. Alors, je vais mettre ici, par exemple, 10 gigas. OK. On me dit la taille recommandée c'est 20 gigas, donc vous pouvez mettre 20 gigas si vous le souhaitez. Donc moi je préfère mettre 10 gigas juste pour vous montrer en fait qu'on peut modifier la taille. Alors une fois cela effectué, je vais donc cliquer sur alors je vais laisser ici, ok, je vais pas modifier hein, ces deux options, donc je vais laisser l'option split virtual disk into multiple files cochée. Alors une fois cela effectué, je fais donc next. Alors à partir d'ici de cet écran, je vais donc cliquer sur finish.
Et là, je viens de terminer la création de ma machine virtuelle. Alors, vous voyez, en fait, ma machine virtuelle vient d'être créée. La voici, Hacker Backbox Linux. Voici encore ce nom, Hacker Backbox Linux. Et vous pouvez également voir cette machine virtuelle parmi mes machines virtuelles déjà créées. Donc, il existe déjà Hacker Backbox Linux. Et cet écran, en fait, noir nous indique, en fait, que la machine est éteinte. Alors, pour l'allumer, je vais donc cliquer sur Power on this virtual machine. Mais souvenez-vous, on vient d'insérer le fichier ISO de Linux Backbox dans cette machine lors de sa création. Donc, lorsqu'on va l'allumer, ça va également exécuter l'installation du système d'exploitation Linux Backbox. Donc, voyons donc l'allumer. Je vais donc cliquer sur Power on this virtual machine. Alors, une fois avoir donc cliqué sur cela, je fais OK. Et là, vous voyez en fait ici que on me propose en fait plusieurs options, okay, pour l'installation de Backbox Linux. Alors, bien évidemment, je vais choisir la première option, Try Backbox without installing, qui veut dire en français, essayer Backbox sans installer. Alors, cette option me permet donc de pouvoir, donc je la valide en vous expliquant. Alors, cette option me permet donc de pouvoir essayer Backbox sans avoir à l'installer. Alors, comme vous pouvez donc le constater, nous allons donc voir en fait l'interface graphique en fait de Backbox. Donc, l'interface graphique de Backbox avant même de l'installer. Alors, ça, c'est quelque chose que Windows, par exemple, ne peut pas nous offrir. Windows, par exemple, ne peut pas vous permettre en fait de pouvoir accéder au menu démarrer, pause de travail et autres avant même de l'installer. Alors que Linux, en fait, nous permet de faire cela. Vous voyez, par exemple, c'est le menu démarrer de Linux ici. Nous avons le dossier du système de fichiers de Linux. Donc, j'ai mes documents, les fichiers téléchargés, bureau, etc., etc. Alors, donc, voilà, en fait, donc, nous pouvons juste comme ça essayer Linux, hein, voir les applications qu'il comporte, les applications de hacking et autres. Donc, voilà un peu. Ça, c'est juste, en fait, pour voir ce que Linux, hein, ce avec quoi Linux vient avec. Donc, voilà. Voilà, donc, l'interface graphique de Linux. Alors, sans toutefois tarder, on va donc démarrer l'installation proprement dite de Linux Backbox. Alors, pour le faire, je vais donc double-cliquer sur cette petite icône représentant un CD d'installation du système d'exploitation. Donc, je double-clique sur ce petit CD. Alors, une fois avoir donc double-cliqué sur le CD, j'ai donc cette interface hein, qui s'affiche me demandant de choisir la langue d'installation. Alors, bien évidemment, vous allez choisir comme langue d'installation la langue anglaise. Alors, ici, j'aimerais attirer votre attention sur cette langue. Alors, une fois. Je vous déconseille très fortement d'installer Linux en français. Vous allez voir que beaucoup de francophones ont souvent des difficultés à installer Linux, à manipuler Linux lorsqu'il est en français. Cela vous paraît peut-être incohérent, mais vous allez comprendre cela plus tard dans cette formation. Lorsque Linux est en anglais, ça paraît plus facile en fait pour l'utiliser. Donc, je dis encore que ça paraît incohérent, mais vous allez comprendre cela plus loin dans la formation. Donc, on va choisir la langue English. Et là, on va faire Forward. Alors, bien évidemment, après avoir donc fait cela, ça nous présente cette interface avec des informations. Par exemple, ici, on nous dit que la connexion Internet est active, on est branché sur une source, voilà, une source électrique, etc., etc. Donc, quel que soit l'état hein, qu'on va vous présenter ici, ça ne gêne en rien votre installation. Par exemple, vous pouvez ne pas être connecté sur Internet et on coche cela avec une croix rouge pour vous dire que vous êtes hors Internet. Donc, cela n'empêche en rien l'installation. Okay? Donc, quel que soit l'état que vous aurez ici, vous cliquez sur Forward. Après avoir donc cliqué sur Forward, vous allez donc voir cette interface Erase Disk and Install Backbox, qui veut dire formater le disque avant d'installer Backbox. Rassurez-vous, le formatage ici ne concerne que le disque dur virtuel. Ça ne concerne pas votre disque dur réel. Donc, après avoir donc fait cela, vous cliquez donc sur Forward. Après avoir cliqué sur Forward, vous avez donc ici, on vous précise encore la taille de votre disque dur, 10 Go. OK, donc disque dur virtuel, bien sûr. Alors ici, je vais donc cliquer sur Install Now. Ça permet donc l'installation, OK, de Backbox sur mon ordinateur virtuel. Alors pendant cette installation, vous allez voir qu'on va vous proposer en fait d'autres petites options. OK? Vous allez voir qu'on va vous proposer d'autres petites options hein, pendant l'installation, telles que comment dirais-je, votre zone géographique, voilà par exemple hein, où je me trouve. Alors je vais laisser Lagos, ok? Je ne vais pas changer en fait ceci. Pourquoi? Parce que j'aimerais maintenir mes traces effacées, ok? Donc je vais cliquer donc sur Forward également. Après avoir donc cliqué sur Forward, une autre interface va s'ouvrir. Cette interface donc vous permet de pouvoir choisir en fait la langue de votre clavier, donc Keyboard Layout. Ça vous permet de choisir la langue du clavier. Alors, si vous avez un clavier AZERTY, bien évidemment, vous allez choisir en fait la langue française. Mais si vous avez un clavier QWERTY, vous choisissez l'anglais. Comme j'ai un clavier AZERTY, je vais donc
chercher la langue française. Donc pour cela, je clique donc sur France. Quand je clique sur France, ça choisit également France automatiquement ici. Et là, moi, je vais donc cliquer sur Forward. Alors, une fois avoir donc cliqué sur Forward, on me demande donc qui suis-je. Alors ici, pour répondre à la question qui suis-je, je vais tout simplement mettre je suis hacker pro, par exemple. Ok, ici, on demande le nom. Alors là, ça met automatiquement, ça définit automatiquement un nom pour votre machine, your computer's name. Ça, c'est le nom de votre machine. Ok, donc je vais laisser ça comme ça, hacker virtual machine. Alors ici, c'est le username, c'est-à-dire votre login ou encore votre nom d'utilisateur. C'est le nom qui va être utilisé pour accéder à votre système d'exploitation Linux Backbox. Alors je vais donc laisser hacker. Et là, comme mot de passe, je vais mettre, voilà, un petit mot de passe là. Voilà, je mets encore un autre mot de passe. OK. Alors ici, on me dit en fait que mon mot de passe est fair, c'est-à-dire voilà, donc c'est pas vraiment voilà, c'est pas vraiment sécurisé. Par exemple, si je mets encore un plus petit mot de passe ici. Alors vous voyez en fait ici on me dit weak password, ça veut dire que le mot de passe est faible. Donc c'est juste pour vous montrer en fait hein, les différents types de mots de passe que vous pouvez utiliser. Alors je vous conseille vivement d'utiliser les mots de passe forts, c'est-à-dire ceux qui contiennent les caractères spéciaux et autres, lorsque vous définissez n'importe quel mot de passe dans vos comptes, ok? Là c'est juste pour des raisons de TP, parce que nous sommes en train de faire un TP sur l'installation de Linux Backbox, n'est-ce pas? Donc voilà, alors bien évidemment nous allons faire tout un cours hein, spécialisé sur les mots de passe, ne vous inquiétez pas. Alors donc voilà, ici vous allez donc laisser, voilà, sans modification et vous allez donc cliquer sur Forward. Alors une fois cela effectué, c'est tout mes amis. À partir d'ici, l'installation va suivre son cours. Ok, l'installation va tout simplement suivre son cours et à la fin de l'installation, on va vous dire d'appuyer sur un bouton, ok, pour redémarrer l'ordinateur virtuel et c'est tout. Ok les amis, donc voilà en fait comment installer Linux Backbox. Alors si je vais donc mettre la vidéo en pause, hein, si j'arrive à temps et que l'installation est terminée, je pourrais donc vous montrer en fait comment on demande en fait de redémarrer la machine virtuelle. Donc je mets la vidéo en pause maintenant. Merci. Alors donc comme vous pouvez donc le constater, l'installation est terminée, donc il n'y a pas eu d'autre chose à faire hein, pendant cette installation là. Donc voilà, c'est terminé et maintenant on me demande de redémarrer mon ordinateur virtuel. Alors une fois cela effectué, quand l'ordinateur est déjà, quand l'installation est déjà terminée, vous cliquez tout simplement sur Restart Now. Ça va redémarrer donc votre ordinateur virtuel et ça vous permet donc d'avoir la vraie version du système d'installation. Donc pendant le redémarrage, voilà ce qui se passe. On dit please remove installation media and close the tray if any. Donc voilà, à partir de là, appuyez tout simplement sur la touche entrée. Donc à partir de ce message, appuyez sur la touche entrée du clavier afin donc de pouvoir redémarrer l'ordinateur. Et donc ça va. Donc voilà, à partir de maintenant, on peut déjà utiliser notre Linux. Mais beaucoup d'entre vous ne savent pas utiliser Linux, ne connaissent pas utiliser Linux parce que Linux s'utilise principalement sous forme de commande. Donc il y aura donc tout en cours et ce sera l'objet donc du prochain cours hein, de cette formation. Donc nous allons donc voir hein, un cours spécial Linux. Ok, donc maintenant ce qu'on vient de faire, on sait déjà comment installer un laboratoire de hacking jusqu'à l'installation de notre système de hacker. Donc là je vais donc préciser le mot de passe d'accès, cliquez sur login et là ça me donne donc accès à Backbox Linux. Alors, bien évidemment, vous pouvez peut-être croire que l'installation est très rapide. Alors, l'installation, la rapidité de l'installation de ce système d'exploitation, comme tous les autres systèmes, dépend de vos ressources réelles, de votre machine réelle. Par exemple, ma machine réelle a, je crois, 16 Go de RAM. Donc, comme vous le constatez, elle a 16 Go de RAM et c'est un i7. Donc, ça dépend maintenant aussi de vos machines, en fonction de vos ressources, okay, l'installation va aller plus ou moins rapidement. Okay? Donc, voilà un peu en ce qui concerne donc l'installation dans le laboratoire de Pentest Pro à partir de l'hyperviseur, VMware. Bien évidemment, ça ce n'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas tout ce qu'il faut dans un, tout ce dont vous aurez besoin, quoi. C'est-à-dire pour mener vos attaques. Actuellement, c'est juste l'installation du laboratoire proprement dite. Maintenant,
plus loin dans la formation, ok, lorsqu'on sera sur le module dédié, on va ajouter d'autres systèmes d'exploitation exactement de la même manière que nous avons installé Backbox. Donc, vous pouvez installer Windows 7, Windows 8, Windows 10 exactement de la même manière que vous avez installé Backbox. Donc, c'est exactement le même procédé, ok. Donc, il n'y a rien de spécial à faire. Donc, vous choisissez le système, vous donnez le nom de l'ordinateur, vous installez. Donc, c'est tout. Et voilà quoi. Voilà en ce qui concerne donc l'installation du laboratoire. Donc, on vient juste d'installer Linux. On va pas à pas, ok. Donc maintenant, il y aura un cours qui sera spécialisé sur l'utilisation de Linux, ok? Comment manipuler Linux, comment l'utiliser, parce que son utilisation est indispensable pour le cours de hacking, parce que son utilisation est indispensable pour les intrusions, pour l'audit. Sans Linux, on ne peut pas réaliser des intrusions. Parce que Linux, en fait, c'est notre source, ok? C'est notre système principal pour réaliser l'audit et les intrusions dans le monde du hacking professionnel. D'où système du hacker. Donc, voilà donc en ce qui concerne donc l'installation d'un laboratoire de Pentest Pro. En espérant que ce cours a été donc bénéfique pour chacun d'entre vous, à partir de maintenant, je vous donne donc rendez-vous dans le prochain cours de cette formation où nous allons donc voir comment manipuler, utiliser et maîtriser le système Linux à partir de ses commandes. Merci.